Salut tout le monde, c'est Golden et bienvenue à tous sur cette quatrième saison de Golden Mods. Alors, on va commencer en beauté avec la création de la map que nous allons appeler GMS4. Eh oui, c'est très imaginatif. Hop, oh, create a new world. En attendant que la map est en train de se générer, eh bien, je précise encore une fois, comme d'habitude, que euh, la liste des mods est disponible dans la description de la vidéo. Euh, pour ce qui est des objectifs, eh bien, il n'y en a pas. Euh, commis d'office, euh, j'ai décidé ça il y a de cela quelques minutes avant euh, le commencement de cet enregistrement et je préfère que euh, on ait euh, des objectifs au fur et à mesure, je préfère que ça soit vous qui me les citiez au fur et à mesure des épisodes dans les commentaires, donc allez-y Allez-y, proposez-moi des objectifs pour le début de cette aventure. Je sais pas, comme fabrique, fabrique une maison, aménager, récupère cela, récupère ci, euh, si, récupère ça. Je ne sais pas, dites tout ça dans les commentaires. Euh, Lancez-moi des petits objectifs, je les ferai ou je les ferai pas, je verrai eh bien tout ça. Aussi pour les objectifs, euh, fiez-vous par rapport aux modes qui sont disponibles dans. La description de la vidéo. Encore une fois, ils sont tous disponibles à l'intérieur. Alors on est apparu dans une jolie map, très jolie map, au bord d'une euh, rivière. Non c'est un petit lac ça. Mais on a une rivière juste là. Oh, on est trop bien placé. Vous savez quoi même j'ai envie de faire ma maison directement ici, là, exactement où on se trouve. On va la faire à la maison. C'est quoi ces trucs là Ça c'est créature qui rajoute ça. Mo créature euh, un super mode. Que vous connaissez bien sûr, sûrement évidemment euh, Donc on va récupérer du bois Et en plus on a plein de vaches à côté Déjà on va récupérer de la nourriture Et il faut que j'évite de courir Sinon ça va descendre trop trop rapidement Allez, alors des vaches Hop, une côtelette fait enfin, un bœuf cru Finalement c'est un bœuf cru euh, Viens par là, c'est pas de fuir mon gars s'il te plaît, merci, ça fait 3. 3, euh, ça sera pas suffisant, je pense. Allez, une quatrième. Eh, eh t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Eh, tu vas où Eh, tu vas où Attends, ah, il me faudrait une épée là, c'est trop la galère. Elle est 6. Et la dernière, ouais, c'est la dernière. 6, déjà pour les premiers jours, ça ira normalement. Et m'arrête de fuir Arrête de fuir comme ça, sérieux. Allez, et c'est parfait, ça en fait 8. Euh, pour les arbres, euh, mis à part des arbres euh, qui bougent et qui parlent et qui marchent, bah, ils parlent pas, mais ils marchent. Mis à part ça, il n'y a pas grand-chose dans le secteur. Enfin, juste à côté là-bas, on a une forêt géante, mais bon. Je dis ça, je dis rien on récupère une dizaine de bûches, on fait l'atelier pour commencer, après les premiers outils, épée, pioche, on va chercher un petit peu de pierre, un petit peu de charbon si on en trouve aussi, ça serait bien du charbon comme ça on passe pas la nuit dans le noir et c'est tout, c'est tout parce que là vraiment je veux prendre mon temps, je veux vraiment prendre mon temps avec cette saison, on va se faire une maison pour commencer, après on ira miner, après on ira tuer l'Ender Dragon plus tard, vraiment on va prendre notre temps pour ce qui est des mods et pour ce qui est du Vanilla aussi, euh, parce que, oula il y a un ours qui m'a regardé bizarre mais il m'a lâché c'est bon euh, parce qu'aussi je risque de rajouter même c'est pas je risque c'est obligé je vais rajouter des modes euh, par la suite je vais rajouter des modes parce que là je suis en 1.7.2 et actuellement euh, au moment où je tourne il n'y a pas beaucoup de modes disponible en 1.7.2. Alors au fur et à mesure qu'il y en aura qui sortiront, j'en rajouterai et puis on y jouera avec et après c'est pas grave si la saison est fait 50 épisodes. je trouve que c'est pas un souci personnellement, je sais pas vous, mais je trouve que c'est pas un souci et puis quand la série s'essoufflera, quand cette saison s'essoufflera, quand il y aura plus grand monde euh, qui regarderont mes épisodes de cette saison-là, eh bien j'arrêterai et on commencera la saison euh, 5. Et eh oui déjà la saison 5, mais attendez, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Pour l'instant on est sur la quatrième et on commence relativement bien, regardez on est bien placé, on a des bûches, on a de la nourriture, la maison qui arrive et qui aura un petit peu commencé à être bâtir, je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais en tout cas euh, va un petit peu avancer dans cet épisode. Un petit peu commencer aussi à être aménagé. Voilà, bon, ça ira. J'en ai 19. Ouais, c'est bon. C'est bon. largement bon. Tout ça en planche. Atelier. Parfait. L'atelier, on le pose là. Oups. Bâtonnet. Bâtonnet. Pioche. Là. Pioche. Magnifique. Alors, tant qu'on y est, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus pour ce premier épisode, ainsi que pour les prochains, si vous le souhaitez. Euh, pour améliorer bien sûr euh, comme toujours euh, le, le référencement de cette série euh, toujours améliorer tout ça donc si vous aimez un maximum de pouces bleus pour m'aider et pour aider la série à avancer et à être de plus en plus euh, vue même si c'est déjà pas mal là au niveau des vues je trouve pour ma, pour ma chaîne c'est la série qui marche le mieux actuellement ça marche super bien. Et je suis content. Parce que, bon, c'est... En quelque sorte, cette série, on ne peut pas vraiment euh, l'arrêter. À chaque fois, on change, on met des nouveaux modes, tout ça. Si j'arrête cette série, eh bien, j'arrête Minecraft, tout simplement. Ou si j'arrête, c'est que vous en avez vraiment marre. Mais là, vous en avez pas marre du tout. Même après euh, trois saisons complètes, vous en avez pas marre. Et moi non plus. Euh, on a dit Cobble, excellent. La table, bah, on y retourne. Alors, je vais pas vous citer tous les modes, hein. Je vais pas tous vous les citer. Parce qu'il y en a beaucoup. <laughs> Il y en a beaucoup. Il y en a une cinquantaine. Si je me trompe pas, une cinquantaine. Alors, pioche. Encore des bâtonnets et une épée. Même une hache. Hop. Eh ben, c'est parfait. Regardez-moi ça. C'est parfait. Et on va tout de suite commencer à placer la maison. Oula attention, j'ai cru voir. Attendez, c'est un requin ça. Attendez ouais, attendez ça semble être un requin. Ah oui c'est un requin. Attends, attends, attends. attends. Calme-toi le requin, tu vas me, tu vas pas me faire mal s'il te plaît. What? Oh il a failli me, il a failli m'avoir le requin. Oh le fou, oh le fou. Oh, regardez c'est trop bien cet endroit, j'adore. Toi t'es morte. Et ouais oh, y en a partout des vaches. Et toi aussi t'es mort. Wow on va la mettre ici On va faire une maison carrée euh, de à peu près 1 2 3 4 5 6 6 ou 7 sur 7 On va faire juste un carré pour débuter ça sera la maison de début et après on en fera une un petit, un petit peu plus grande à côté Alors 1 2 Je vois déjà comment je veux la faire Des fenêtres de 2 de large Et après ça c'est le coin On repart sur 2 La fenêtre de 2 Hop hop Encore 2 ici alors ici ça sera la porte par contre, alors on saute, hop, la porte ici et là encore deux, la fenêtre de deux et le mur de deux, ça y est on a déjà les quatre coins, après on remonte de un pour que ça soit euh, à trois blocs de hauteur pour qu'on puisse au moins sauter dans notre maison, on fait tout le tour, c'est parfait, là pour l'instant je mets des blocs complets mais sûrement pour les fenêtres tout ça je mettrai plus tard euh, des escaliers. Pour l'instant, euh, je fais en gros, c'est vraiment en gros, je, passe, je place les, les blocs. Histoire d'avoir un, un endroit euh, à l'abri des mobs pour la nuit. La nuit qui va bientôt arriver dans euh, 5 ou 10 minutes. 5 minutes, ouais, plutôt 5 minutes que, que 10. Euh, le bois, j'en ai plus. <laughs> j'en ai déjà plus. Je pensais que j'en avais assez, mais pas du tout. Allez, on va se servir au moins de notre hache. Vu qu'il y a le mode Tricapitator. Ça a tout cassé d'un coup. Et hop allez haha. En plus il y a plein de pousses d'arbres là. Je sais pas pourquoi il y en a plein l'une à côté des autres. Euh, même de la canne à sucre. Très bien la canne à sucre. J'approuve. Euh, J'approuve la canne à sucre. Oh il y a vraiment des arbres comme ça partout. Oh, attendez c'est quoi là-bas Il y a des trois trucs droits là. Ah non c'est un arbre. C'était les lianes qu'on voyait et on voyait pas l'arbre. Ben, j'aurais bien aimé trouver un village de PNJ, parce que dans les villages de PNJ, il y a un mode qui rajoute des tavernes. Avec, ben, une vendeuse. Ainsi qu'un coffre, un lit, tout ça. Ça aurait été bien de récupérer ça, mais. Avec cette grande étendue, on voit rien. On voit rien du tout. Sinon. Encore plein de planches, on finit le toit. C'est le principal. Le toit. Et même, et même on va faire des, des fenêtres spéciales. Des fenêtres qui font que 2 pixels de large, comme des vitres en fait. On va faire ça si on peut. Je sais pas exactement le craft, mais ça doit être avec du, du, de la vitre et du bois normalement. Euh, J'en ai toujours pas assez. Il faut que je mange en plus. Et j'ai pas assez de cobble non plus pour faire un four pour faire cuire. Et la nuit, la nuit, oh, c'est bientôt la nuit. Attention, on va chercher un petit peu plus de bois. On finit ça. On se met à l'abri. Je vais chercher de la cobble dans les sous-sols. On fait à manger. On fait les fenêtres et puis on se laisse. Et puis on se laisse. Même, attendez, je vais utiliser ma hache quand même. Allez casse-toi. Allez, tu peux le faire. Très pratique ce mode. Et ça c'est une <laughs> c'est une méduse. Et puis et puis celui-là. Ça c'est pas les très grands arbres non plus. Hop, les en plus ça casse tout d'un coup. J'adore. Et ça, c'est le dernier. C'est le tout dernier. Il oh y a un ours qui m'a chargé ou quoi Il fait... C'est qui Allez. C'est lui là, c'est un panda. Et toi, recule. Attends. Le requin, il veut me bouffer à chaque fois. Attendez, on va le tuer. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Tu veux te battre tu veux... tu veux te battre Et on a récupéré. Des écailles de, enfin, l'aileron le... de requin. Au-dessus. Et même, on en a deux. C'est ça, c'est des ailerons de requin. C'est shark. Tis... Ah non, c'est des dents. Dents de requin. Ah, et dents de requin, on peut faire des trucs en émail, des armures en émail, des, des épées euh, shark. Ah, cool, cool. Allez, vite, vite. Quelques derniers blocs. Quelques derniers. J'ai même pas de sable pour les vitres. Euh, on verra plus tard. Pour les vitres. Allez. Je vais pas me faire défoncer. Dès le premier épisode, quand même. Allez, deux portes, euh, de l'extérieur, voilà, et puis on finit le toit, hop, 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 et bien voyez, là, on a fait une plus grande maison que, euh, que dans toute la saison 3 réunie, en un épisode, bah c'est vrai, on avait fait une maison en live, mais sinon, en vidéo... On a fait plus de maisons dans cet épisode que dans toute la saison 3 réunie. C'est vrai que la saison 3, waouh je, je sais pas ce que j'avais fait, mais j'avais fait une petite cabane de deux blocs euh, d'espace. Et ça me. Et je stockais tout aux alentours. Mais après on était trop cheaté avec les épées et tout ça. Mais ouais, on n'avait pas de soucis de ce côté-là. Mais bon. C'était pas super. Là, on va vraiment pouvoir se poser, ça va être bien. Euh, un coffre. Coffre... Là. Et puis on va chercher de la pierre. Allez. De la pierre pierre. De la pierre pierre. Et ça va faire bientôt 15 minutes. Ça va on a le temps. Avec les shaders, ça va commencer à devenir sombre. Mais bon. Mais bon. Euh, ouais, mais bon, j'y vois pas trop. J'y vois pas grand-chose. Alors vous, vous y voyez rien, j'imagine. On est à 14. 15, 16, 17, 18. C'est bon. Allez, on remonte. Alors. Four. Vu qu'on a déjà tous les outils, on va, va peut-être quand même faire une, une, une pelle. Là. Une pelle. Comme ça, on a tout. Sauf la houe. Sauf la houe. Four là. Du bois à l'intérieur et on fait cuire le bœuf et en plus ça nous éclaire c'est super euh, bah y a pas de mob à l'extérieur ça va apparemment ça va Oula, il pleut Oh, pas cool ah oh non j'aime pas quand il pleut ah oh, non euh, le son le son le son tu sais qu'on règle ça en environnement en ambiante. c'est ça ah hein oh non c'est weather on enlève le son de la pluie. Voilà, voilà, déjà c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je supporte pas le bruit de la pluie. Euh, je sais pas vous, mais moi j'aime pas ça. Ça fait un bruit euh, horrible, je trouve. C'est, c'est, ça fait mal aux oreilles avec le casque. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, regardez, il y a des pousses d'arbres en carré comme ça. Et de 3 sur 3, euh, c'est, c'est étrange. Ça se trouve c'est les, les mobs comme ça qui en plantent. Je sais pas comment ça se passe. Il ne sait pas comment ça s'y passe. Et on a la 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 santé et la barre de nourriture à fond. On va peut-être aller faire un petit tour à l'extérieur. Ouais. Parce on va pas rester enfermé pendant dix minutes à l'intérieur. Épée en main, bien sûr, toujours. Et puis et puis je réfléchis. Je réfléchis. Euh, on va chercher du sable. On va chercher du sable, même si j'ai vu qu'il y avait euh, deux creeper embusqués. Un là, un là. Même un squelette là-bas. Faut faire attention à eux. Il m'a remarqué, remarqué en plus. Il y a un rat. Il y a un rat méchant. On recule le rat, s'il te plaît. Il me fait pas laguer. Hop <laughs> Il te reste plus que 8 PV. Oh, il y a un poisson. Cool, je récupère. Ah c'est un rat. C'est vrai, c'est le, le rat. C'est la viande de rat. Il y a plus que 2 PV, ramène-toi. Ramène-toi par là, le creeper et le saut de la mort. Et... Bim Et la poudre à canon qui est tombée au fond. Allez, le sable. On en prend 20. 20, 20. Là, ça fait 12. 13, 14, 15. Là. 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Là, on peut prendre le gravier pour récupérer du silex. Pour les flèches, plus tard. Faut commencer à en récupérer dès le début. Sinon après on va galérer mettre du temps à en avoir vers la fin quand on voudra aller tuer l'Ender Dragon. Mais là j'en ai pas récupéré de silex. Dommage. Dommage. Et même on avait du sable ici, je sais pas pourquoi je suis... Oh, mais il en avait pas assez de toute façon. Oula, oula, oula oula oula. Calme, calme. Une araignée, ninja. De la muerte. Avec un golem là-bas. Un golem pas très gentil qui, qui veut ma peau. Il faut... ah, il fait mal hein. Fait mal le golem, il a combien? 15 PV. Bon, attendez, je peux le buter. Waouh, waouh, waouh! Pas gentil, pas gentil. Waouh, toi, toi, ça fait mal! Waouh! Attends, je vais à l'abri, moi. <laughs> je vais me cacher quelques instants. Allez, fait cuire le sable. Donc, je vais pouvoir jeter un coup d'œil dans le craft guide pour notre premier objet de mode euh, qui est la fenêtre. Et je sais pas euh, du tout. Comment on l'a fait À partir de quoi Alors soit c'est à partir de blocs de verre, soit c'est à partir de vitres. Ah ben c'est ça, ouais, c'est ça que je veux fabriquer. Alors c'est euh, plein de planches et une seule glace. D'accord, j'en ai pris autant pour rien, vu qu'on va prendre 16 fenêtres, euh, c'est un petit peu excessif. Euh, j'ai récupéré 20, 24. Par contre là j'ai plus de bois. <laughs> j'ai plus de bois, on va en chercher. On va chercher du bois. Waouh toi Oh putain c'est l'autre qui balance ses blocs. C'est le fifou qui balance ses blocs, regardez là-bas. C'est le golem. Faut qu'on arrive à le contourner, et à l'attaquer. Presque plus de vie. Enfin à la moitié. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Je veux pas mourir. Hein. Oh, non. Oh, mais d'accord, je suis mort. Oh, on est juste à côté de la maison, excellent. Je me suis fait exploser. Ah oh, là là. Ah excusez-moi, je fais une petite ellipse. Je reviens tout de suite. Alors je récupère mon stuff. Vite fait. Allez. On récupère tout. C'est bon. Il a pas disparu. Il est passé où Il est là. Il est là. Ok. Attends, 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 attends. Ok. C'est bon. Euh, C'est bon. Il est mort. Il est mort. Okay. Ah, même on a du... Des moutons. Ok. Moutons, il n'y en a qu'un seul. Pour ça, je peux me faire un lit. Ça passe... Oh, un loup-garou là-bas. C'est pas cool. Pas cool. On a un autre, un autre mouton là. Ouais, on va pouvoir faire un lit. Ça nous débarrassera déjà de... Ce fléau qu'est la nuit. Toujours au début des aventures. La nuit. C'est terrible. Encore là, on est mort qu'une fois. Ça passe. Oh, il y les scorpions qui attaquent des vaches. Oh, je vais à l'abri, moi. Et j'ai même pas accompli mon objectif qui était de récupérer du bois. En attendant, le verre déjà, ça cuit. Euh, au pire, au pire, au pire, je prends celui-là qu'il y avait dans... dans le four. Hop. Et ça y est, on a nos fenêtres. 16 fenêtres. Et on va les placer. Depuis l'intérieur, ce qui les met vers l'extérieur. Attendez, est-ce que c'est bien. Non, c'est l'inverse que je voulais faire à la base. C'est l'inverse. Euh, mais d'abord. Bah, je fais vite. Je fais vite, je sors. Hop Aïe 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 <laughs> Un scorpion qui me tombe dessus. Aïe, ça fait mal. Oh là, il y a un cheval de l'enfer là-bas. Un autre zombie. Et même il y a des. des fantômes. Oh non, il y en a trop. Oh, il est une épée cheatée, lui. Regardez son épée. <laughs> Fallait que je casse ça. Parce que je vais en mettre par deux. Par deux. Et en bas, il y a des escaliers, mais vers l'extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que ça va donner. Ouah wow oh, Mais laisse-moi, je suis dans ma maison, mec. Mais. Aïe Aïe Aïe, viens là ah c'est ah bon, c'est bon, il est mort. Euh... L'extérieur. Donc j'enlève ça. Là. Puis, euh, puis, puis, puis. Euh, j'ai C'est pas grave parce que regardez, j'ai récupéré du des moutons. Donc j'ai juste à le faire spawner comme ça. Un oeuf de mouton. C'est pas vraiment un œuf. C'est quand on tue des moutons, des fois ça me donne de quoi refaire spawner un mouton avec le mode, le mode Crafting Animals. Mais aussi, par exemple, avec de la laine, on peut directement fabriquer. Si je regarde bien. On peut fabriquer normalement... Regardez ça. Par exemple, avec tout ça, on peut fabriquer euh, de quoi faire spawner un chien. Deux chiens. Euh, avec ça, on peut, on peut faire spawner... Enfin, ça dépend. Vous euh, voyez, avec euh, huit laines et un porc cru, on peut faire spawner deux moutons. C'est très pratique. Très très pratique ça, ce mode. Alors, là, je voulais me faire un lit. Et mais il me manque une planche. Ah, c'est la cata! C'est la cata la plus totale. En bon, attendant, je vous dis bon appétit! Bon appétit, les gens. Là, on va faire un dernier assaut. Dehors, oula, c'est quoi ce truc? Il a une texture dégueulasse. C'est un orc? D'accord, une texture euh, buggée, apparemment. J'ai dû faire. Euh... Il doit y avoir un problème avec euh, un mode. Merci. Oh, oh, T'approche pas. M'empoisonne pas. Je crois que les scorpions ils peuvent empoisonner. Ouais, d'ailleurs, voilà, il m'a empoisonné. Mais pas longtemps, donc ça passe. Alors, il me manquait du bois. Manquait du bois. Avec ma hache, on va en récupérer un petit peu. On fait juste, on place juste les fenêtres et on se quitte pour ce premier épisode. Déjà, on a beaucoup avancé, je trouve. Allez. Hop, allez Fantastique Le deuxième. Après c'est juste qu'il pleut. Donc ça va continuer à se spawner. Parce que là normalement c'est le jour. Là normalement c'est le jour. Je vois pas le soleil mais il pleut. Donc ça gâche tout. Et il y a une top Il <laughs> y a une top Et un zombie dégage là Hop. Eh, magnifique. A même récupéré les flèches là, parce qu'il me manque qu'une ficelle pour fabriquer un arc. Oula, attendez, je veux cette épée là. Je la veux cette épée. Toi, loot la moi, s'il te plaît. Loot la moi. Sois gentil. Sois pas méchant. Euh, il a, il a looté rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Et tant que j'y suis, ouais, tant que j'y suis, tant qu'il y a personne aux alentours, on pose les fenêtres. Hop 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 Et hop et hop Parfait Le lit On a le lit enfin euh, On va le mettre là ici euh, puis 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 Mais qu'est-ce qu'il veut l'autre à frapper à ma porte Bouge de là c'est un orque mais bugué euh, C'est dommage je sais pas qu'est-ce qu -ce que c'est le mode. Je crois que c'est. Euh, c'est Mocrature qui rajoute les orques. Donc il doit y avoir un bug avec Mocrature, malheureusement. Je vais voir si je peux régler ça. J'espère que je vais pouvoir. Sinon, il me fallait des escaliers. Hop, les escaliers ils sont là. Même j'en ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, rien que pour le toit. Voilà, rien que pour le toit et il va m'en falloir énormément. Hop, hop. Euh, D'abord, non, je vais les casser par l'intérieur. Ça j'aurai plus qu'à sortir, placer les escaliers et ça sera fini. Et on se laissera là pour cet épisode. Je l'ai déjà dit sûrement plusieurs fois, ça d'ailleurs. <laughs> Je me répète. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Et parfait Haha Excellent, excellent. Waouh, il est géant cet arbre. Oh <laughs> il est géant. Il est trop grand. Euh, bon, ben, oh, il a une texture bizarre le lit. Euh, D'un côté, On peut pas dormir. Non, on peut pas dormir parce que ouais, c'est bien le jour. Euh, c'est bien le jour, ben on a tout fait. On a tout fait, donc on va se laisser là. Euh, je pense que je me remémore. Enfin, on a fait la maison, le lit. Euh, le principal, le stuff principal, fenêtre. Euh... Non, mais c'est parfait. On continuera sur le prochain épisode. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, partagez. Un maximum de commentaires, s'il vous plaît, et de pouces bleus, surtout. Euh, on se retrouve au prochain. C'était Golden. Salut tout le monde. Et bye, 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 bye.